France dans sa tête. Donc quand il n'est pas, forcément, il n'est pas content. Il a eu des petits tracas. Aujourd'hui, ils n'existent plus, ces trucs-là. Ce que je veux dire, c'est que on a juste besoin de voir aujourd'hui le footballeur. C'est-à-dire ce que peut Karim apporter à cette équipe. J'étais déçu que Karim ne fasse pas partie de l'équipe de France lors de l'Euro. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. C'est mon souhait parce que c'est un joueur fantastique et j'aime voir les grands joueurs dans les grandes compétitions. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. Il aime le maillot bleu. Bien sûr qu'il aime l'équipe de France. Il a envie de jouer pour son pays. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il marque des buts. Il est titulaire au Real Madrid. Et tu prends pas en équipe de France. Quand je marche en Angleterre, dès que ça parle football, on me demande pourquoi Karim Benzema n'est pas en sélection. J'ai dit, vous posez la question à la mauvaise personne. Faut demander à l'entraîneur et il faut respecter ses choix. C'est un cas mondial. On n'est pas en train de parler seulement de la Ligue 1, même de la Liga, où c'est mondial. Il y a des joueurs qui sont partis de l'équipe de France. Et personne ne leur demande de retour, même s'ils ont mis des buts après dans leur club. Mais c'est Karim Benzema. Donc voilà où il y a un problème.